Salut les amis, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas quand vous allez me regarder. Je vais fermer la porte parce qu'il y a trop de bruit. Ben voilà, regardez les amis, j'ai reçu ben, la dernière pièce, la dernière commande. Là, je dois refaire une commande. Je vais essayer de faire ça. Là, j'ai reçu la pompe à eau. Elle est mieux que celle que j'avais achetée pour le proto que j'avais fait. Franchement, elle est super. Voilà, avec le bon diamètre. Ah, normalement, c'est bon, c'est plus ou moins le même. Bon, ici, c'est un diamètre qui est plus petit. Ouais. Mais bon, je trouverais pas ça de toute façon. C'est un diamètre un peu particulier. Mais bon, c'est pas grave. Je peux quand même mettre une durée depuis. Enfin, ici, je sais m'arranger. C'est pas un souci. J'ai pris, je crois, le diamètre 22. Comme ici. Ouais. J'essaie de garder. Donc voilà, j'ai testé pour voir si elle fonctionne. Et franchement, elle fonctionne, elle fait même pas beaucoup de bruit. Parce que celle que j'avais eue, apparemment, elle a été moins bonne qualité. Ouais. Donc ça tourne, hein, elle fait moins de bruit. L'autre, elle faisait de ses bruits. Et franchement, elle est un peu plus belle. Vous voyez, je sais pas, elle a l'air plus. Elle a l'air plus belle. Donc aussi, elle est. Les compteurs, on va tester les compteurs. Parce qu'en fait, je les ai même pas encore testés depuis que je l'ai eu. Hein. Donc, voltmètre. Donc, on va essayer de trouver le fil. J'ai mis la clé Allen, en fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc, à mon avis, le plus c'est le rouge. À mon avis, ça va être ça. Désolé, c'est pas évident. Ou le moins, attendez, je vais tester. Avec une main, c'est super compliqué. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais ça. Tap, 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 tap. J'ai pris en bleu. Bon, il faut qu'il arrête de bouger. Allez. C'est pas évident. J'arrête de bouger. Ça perd les popettes. Allez, je bouge à chaque fois. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est mettre les petits boulons là, vous voyez. Mais j'ai déjà testé, ça fonctionne. Je voulais juste le faire avec vous en fait. Je vais réussir, hein. Non, ça bouge. En fait, c'est la clé Allen qui avance, en fait. Non, d'une pipe. Voilà. Allez. Bah, franchement, je suis désolé. J'arrive pas à... Oh, fais chier. Ça me prend la tête. J'ai envie de vous montrer, mais... Voilà. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, ça bouge. Bon, vous avez vu, 12 volts, la batterie elle est bien chargée. Et après, ici, il y a le thermomètre. Celsius thermomètre. Voilà, ça va être encore la galère pour vous montrer. Hein, parce que j'ai pas de. Bon, il fonctionne. C'est quoi? Je vais pas vous montrer, c'est quoi? C'est bon. Parce que je vais commencer à me casser la tête, à vous faire perdre patience aussi. Donc voilà, la batterie elle fonctionne déjà, c'est bien, tout fonctionne. Ça aussi, la pompe à eau. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait, l'autre fois je vous ai pas montré. Donc voilà, ici, bon, ça va frotter à certains moments parce que le disque, ouais, regardez, le disque il est dévissé en fait. Donc il faut que je le resserre. Parce que j'ai enlevé un boulon ici, donc c'est normal qu'il bouge. Ouais. Donc en fait, regardez, ici, j'ai l'axe qui est en fin de truc. Ça, c'est pas bon, je peux pas me permettre de faire ça. Il me faut laisser un petit peu de place. Donc regardez, ici, en fait, il y a l'amortisseur qui touche. Vous voyez, sinon, c'est parfait. Ici, j'ai modifié la platine du frein, que je dois refaire et peindre.
Ouais. Donc, mon idée, c'est quoi? C'est en fait, j'ai un bras oscillant ici qui ne me sert à rien. Enfin, il me sert parce qu'il vient de ce cadre-là, qui est là. Ce serait de prendre, pour pas arracher les autres, faire les souder, ce serait de prendre ceux-ci et venir les souder là. Vous voyez? Pour reculer mon amortisseur. Comme ça, ici, je pourrais descendre ma roue. Vous voyez? Et là, la truc la mâchoire ne touchera plus l'amortisseur. Voilà. C'est ce que je vais faire. Pour le renfort du bras oscillant, j'ai un tube qui est là, qui est bien plus gros, qui est bien plus balèze. Et là, je pourrais. Il faut trouver quelqu'un qui puisse me le cintrer pour pouvoir le mettre ici. Sinon, rien de neuf. J'ai pas su avancer. Là, il est tard. Là, je sais pas quelle heure il est 20, 22h30. Donc, je suis venu ici un petit peu dans le garage. J'ai envie un petit peu de changer d'air. Donc voilà, j'ai aussi un truc à vous dire. J'ai réussi à contacter en fait un Hollandais qui fabrique ou en tout cas qui a des carénages en fait de Kredler. Comme je vous mets les motos là que je vous mets, des motos 50 que je vous mets en photo là sur YouTube quoi. Et en fait, moi j'aimerais bien avoir la tête de fourche, vous voyez? Avec la vitre, une vitre fumée comme ça. Et en fait, mettre une tête de fourche en fait, Kredler. 20-20, hein, je sais pas quoi, 79. Vous voyez? Parce que j'ai une coque qui n'est pas une coque de Kredler déjà, voilà. Parce que j'ai trouvé un site hollandais encore qui vend plein de trucs magnifiques. Et en fait, cette coque-là, c'est une coque de Honda. Voilà. C'est une coque de Honda. Et vous voyez, j'ai déjà mis une couche de noir en fait. Ouais. Noir, et j'aimerais bien mettre une grosse ligne jaune et deux fines lignes jaunes qui viennent sur le côté. J'aimerais bien. Maintenant, je sais pas si je vais le faire, hein, parce que j'ai pas de ligne jaune, donc il faudrait que je trouve du jaune. Il faudrait que je trouve le même jaune que les autocollants. Enfin, on verra bien. C'est mon idée. C'est mon idée. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ce serait alors ici le phare et la truc. Je vais le virer. Et mettre la tête de fourche la Kredler. Je vais vous mettre une photo sur YouTube pour vous montrer. Ouais, et ça, ben, je l'utiliserai pour mettre sur la motobécane. Parce que j'ai la motobécane en projet aussi. Avec la fourche qui est là. Ouais, la fourche noire de Dirt. Que j'avais déjà modifiée. Normalement, je vais aller souder tout le bazar ici fin de semaine. Le gars, il est pas chaud apparemment. Mais pas chaud du tout, donc je dois aller souder tous les trucs normalement fin de semaine, il a dit. Il a pas l'air très motivé, le gars. Et voilà, donc que vous dire de plus? Je suis un peu content parce que j'ai reçu la pompe. Là, je vais passer une commande sur la bécannerie. Donc, ça sera la poignée de gaz, le revêtement de poignée de gaz, donc les poignées quoi, en caoutchouc. Jaune et noir, et il y avait quoi encore? Il y avait un autre truc, je me souviens plus. Je suis fatigué, donc je me souviens plus c'était quoi. Donc je vais passer la commande, là il y a un bug là sur le site, j'arrive pas à me connecter. Mais voilà, dès que je peux, je fais la commande, comme ça je la reçois bientôt. Je vais merci en tout cas à mon cher camarade là, de m'avoir dirigé vers les ressorts. Mais avant de les commander, j'en ai vu chez Mir 35. Bah d'ailleurs, je crois que c'est le lien que tu m'as donné. Je vais aller voir dans mon magasin pour pas les commander si eux, ils ont l'équivalent. Bah, je vais leur donner le lien de. Je vais leur montrer sur Mir 35 c'est lesquels. Et alors, je prendrai les chromés comme tu m'as dit. Donc voilà, je vais couper ça aussi. Peut-être que je vais le laisser, je vais le couper, je vais voir. Parce qu'en fait, là, je pourrais peut-être mettre un petit feu rouge, quoi. Un petit feu stop rouge. On verra bien, ou sinon je vais couper ici comme ça, je vais l'arrondir et couper. On verra bien. Donc voilà, j'ai déjà un petit peu chipoté, enfin j'ai poncé pour regarder tout ça. Tu verras bien vivement que je soude tout ça, hein, parce que franchement, en fait, le petit coup de blues que j'ai, c'est ça, hein, il faut que je soude. Une fois que je vais souder, je vais poncer, je vais peindre, et puis même que je peins pas, je pourrais mettre. Une fois que ce sera. Non, il faut que je peins en fait. Il faut que je le peins.
Et une fois que ce sera prêt, je mettrai les cils en bloc. Et là, je pourrai placer le moteur avec la poulie pour trouver la courroie qu'il faut. Une fois que j'ai la courroie, je commande la courroie. Et une fois que j'ai la courroie, je vais pointer en fait le tube ici. En fait, ce qui me fait vraiment, qui me casse vraiment la tête, c'est que le tube ici, Poligny, ça flotte en fait. Donc je vais voir si je ne sais pas trouver un axe, un autre axe de 11. Hein, apparemment, c'est 11, même plus. Il faudrait que je mesure. Parce que ça, c'est un axe de 10. Et là, ça flotte. Tandis que celui-là, c'est réellement un axe de 10. Ici dedans. Vous voyez? Vais-je réellement. Est-ce que je vais sacrifier ce tube-là? C'est la même longueur. Normalement, c'est la même longueur. Hein. Ouais, c'est la même. Pardon. C'est la même longueur. Au pire, peut-être prendre ce tube-ci. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Donc, j'ai contacté Red Tech Racing. Hein. Ils n'ont pas reçu encore l'acier. Mais normalement, ils devraient le recevoir fin de cette semaine et le faire. Pour la cloche. Hein. Donc, voilà. Ils sont lents, mais voilà, c'est du bon matos qu'ils ont. Aussi, il faudrait que je fabrique une table pour travailler. Parce que je peux plus continuer à travailler comme ça. Parce que vous imaginez même pas le nombre de fois que les tombées. Hein. Si vous regardez, enfin là j'ai poncé, mais là ici il est tout rugueux parce qu'il est tombé je sais pas combien de fois. Ici il est tombé, ça a défoncé. Enfin, je sais plus où, hein, mais il est tombé plusieurs fois. Ouais, je peux pas travailler. En fait, c'est tout, tu vois, c'est tous des petits trucs comme ça qui me cassent vraiment les bonbons. Et qui m'empêche de travailler correctement. Ici, normalement, la mob, elle va partir. Mon ami, il est venu tout à l'heure. Il m'a amené un petit cadeau. Il m'a amené des ampoules LED. Un truc atomique. Un truc de dingue. Franchement, j'ai jamais vu ça. Une autre ampoule, mais c'est pas LED, c'est un autre système. Et il m'a apporté, en fait, des baguettes pour souder. Je sais pas si vous avez déjà vu. On voit beaucoup ça sur le net. Là, c'est. Vous soudez ça au chalumeau, en fait. Ou à. Ouais, les chalumeaux qui ont une belle flamme là, qui font comme ça là. Et voilà, on s'est soudé sur l'acier, sur l'alu, sur n'importe quoi. Ouais. Il m'a apporté ça comme cadeau. Super gentil, hein. Parce qu'en fait, le 103 rouge, c'est à lui. Hein. Lui, il a commandé des pose-pieds, le câble pour le compteur et un allumage électronique, gros cône, mais pour 103. Électronique, hein. Pas à vis patiné. Donc, il faut. Parce que celui-là, c'était à vis patiné. Donc, on va virer tout ça. À mon avis, s'il met les pose-pieds, je vais lui piquer les pédales. Parce que moi, je veux les pédales pour l'autre. Et aussi, il faut ressouder le pot. Il est dégueulasse ce moteur. Il y a même de la roue et tout, gars. Il aurait pu s'oxyder tout ici. C'est dégueulasse. Et alors, il y a son pot ici. Parce que c'est à lui, à ce pot-là. En fait, il faudrait venir faire un cordon derrière ici, en fait. Parce qu'il perd ici dans. Là où il y a les soudures, dans une des deux soudures, il perd en fait, mais de l'intérieur. Alors qu'il est neuf, hein, il est nouveau. Et aussi, il va souder la bride, il va ajuster le pot au cylindre et il va le souder, quoi. Donc voilà, j'ai même ramené une petite mousse comme ça, super. Hein. Donc j'espère que le gars va se motiver pour souder parce que je suis super motivé aussi pour le pot ici. Terminer ce pot, j'ai la bague qui est là à souder au-dessus. Et ici, en fait, il faudrait que je dessoude. Et en fait, j'ai encore du tube là exprès pour le pot. Et j'ai vraiment envie de le faire. Et ça, je vais le faire. Parce que vous m'avez motivé. Hein, je vous dis la vérité. Vos commentaires me motivent. Parce que j'ai eu un petit coup Enfin, j'en avais marre, quoi. Franchement, j'en avais vraiment marre. Je suis fatigué et tout ça. Et en fait, j'aimerais faire le pot qui va venir comme ça. Hein. Et puis, une fois qu'il va arriver ici où il y aura le tube de fuite avec la cartouche, je vais faire monter un tube en fait. Et je veux que la cartouche vienne ici. Vous voyez? Comme les motos 50, les motos de course, comme les deux temps 500 et tout ça, là, vous voyez? Ou les motos, mais les méca boîtes, mais style RS et tout ça, là. Vous voyez? Après, il y a de ça. Le repos, comme il fait, là. Vous voyez? Il y a le tube qui vient, après, le tube, il monte, et après, il y a la cartouche. J'ai envie de faire ça. Franchement, je kiffe trop. J'aime trop. En plus, la cartouche ici, elle est super belle. Hein? Franchement, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc voilà les gars, je vais prendre des roulettes comme ça et je vais me faire une table. Je vais faire la table qui soit plus ou moins haute, bah comme le tabouret. Un peu plus bas que le tabouret.
Un peu plus bas que le tabouret parce que je vais lui faire des étriers là pour mettre les trucs là. J'en ai un autre là. Oui. Je vais couper dedans et comme ça je pourrais mettre. Je vais faire un genre de. Là où il y a les boulons de la fourche et du truc. Je vais faire dépasser avec des. Je sais pas comment ça s'appelle là. Vous voyez les trucs en plastique blanc là. En course là. Pour pas quand il tombe. Pour quand il tombe, ben ça. Ouais, je vais les mettre ici. C'est comme les pose pieds de BMX là, mais en petit, hein. Comme ça. Qui dépasse. Comme ça, ben, je peux le mettre sur la béquille, enfin sur ce truc-là en fait, que je vais modifier. Ça va être super génial, hein. Donc voilà les amis. Aussi, je vais essayer de trouver un disque comme ça, plus grand. Parce que ici, regardez, j'ai un tout petit peu. J'ai même pas un centimètre, un petit centimètre. Même pas, hein. Donc ça, c'est. Je sais plus c'est quoi comme disque. Et il faudrait que je voie celui-ci que j'ai acheté, c'est pour une combien? Je crois que c'est 190. Et à mon avis, celui-ci, c'est 180. Ou 170, je ne sais pas. Je vais acheter des vis aussi pour les pour disques, hein, parce qu'il y a des vis pour le disque. Ça, c'est des bêtes vis que j'ai mis moi. Hein. Et en plus, la taille du truc là, c'est introuvable. C'est super compliqué. Heureusement, j'ai la clé. J'avais commencé à le défaire. Et ici, regardez ce que j'ai fait. En fait, vous voyez, ça passe vraiment pile poil. Et en fait, je dois mettre une rondelle ici. Vous voyez, pour qu'il soit décalé par là, pour qu'il soit parallèle au bras. En fait, la plaque qui est ici, pour qu'elle soit parallèle. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment bien droit. Et alors, je vais souder ici pour faire le même système que les freins arrière 203, vous voyez. Pour pouvoir reculer et avancer ma roue. Elle sera nickel, hein. Franchement, ce sera super comme ça. Faut aussi un petit peu que je règle ici. Pour pas que ça frotte. Bon, là, c'est pas ça qui frotte, hein, c'est le disque. Mais voilà, il faut pas du tout que ça frotte. Une belle petite chaîne. Puis je vais aussi faire un cordon ici. Un cordon là, virer ce bazar. Ça sert à rien. Souder ça. Vraiment, ça me réjouit. C'est vraiment de souder ça. À la plaque. Pour pouvoir mettre la coque. La coque, je vais la poncer avec du papier alu, tout fin. Je vais arrondir aussi. Parce que je n'aime pas, ouais. Regardez. Je vais arrondir comme ça. Parce que j'aime pas quand c'est carré. Ouais, je vais faire un bon petit coup de. Magnifique. Tout fin, j'ai du papier super fin, à l'eau. Et il faut que je trouve un endroit pour peindre, parce que c'est impossible de peindre ici. Hein. Parce que quand je vous dis, ici chez moi, c'est le bordel. Il y a des travaux, en fait. Et il y a énormément de poussière, mais un truc de fou. On se croirait dans le désert, carrément. Les voitures, elles sont dégueulasses. Et en fait, heureusement que j'avais mis des mousses ici, et la poussière ne rentre pas. Hein. Mais. Ou alors, peut-être quand il pleut. Non, quand il pleut, c'est pas bon, parce qu'il fait trop humide. Enfin, je sais pas. Je vais sûrement aller chez mon beau-frère là où j'ai pas le vélo. Je sais pas si vous vous rappelez. Parce que là, c'est nickel. Là, il a même des crochets et tout. Je pourrais accrocher le cadre et tout ça. Et la tête de fourche aussi, si je l'achète. Il m'a dit que c'était 45 euros la tête de fourche, ce qui est pas cher, hein. Et 50 euros la vitre. Et la vitre, c'est une vitre, mais qui est fumée, en fait. Ouais, une vitre, mais fumée. Je prends pas une transparente, je prends une fumée. Franchement, si j'ai ça, je serais super content parce que c'est magnifique. Donc voilà, les amis, je vous laisse. Parce que j'avais vraiment que ça avance. Hein. Je pense que ça me fait déprimer, c'est que ça n'avance pas. Ça avance en fait, mais ça avance d'une manière. Voilà. Donc les gars, priez pour moi pour que fin de semaine ce soit soudé. Et voilà quoi. Et que aussi pour la cloche d'embrayage. Bon, ça c'est pas encore très urgent. Et voilà, bon, je vous laisse. Ça fait déjà 18 minutes. Je parle trop, les gars. Je suis désolé, franchement. En tout cas, merci beaucoup les amis pour vos commentaires. Merci beaucoup de la motivation que vous me donnez. C'est super. Vraiment pour le plaisir. Hein. On fait vraiment ça pour le plaisir. Il ne faut pas que ce soit une contrainte non plus. Et ah ouais, aussi, franchement, si vous voyez la coque arrière, la coque lacelle, avec les caches comme ça donne, c'est magnifique. Franchement, et avec la barre, avec la mousse qui grossit un peu le truc, magnifique. En fait, je me réjouis. Je me réjouis. Il faut que ce soit soudé parce que ça va pas. Ben voilà les amis, je vous laisse, à bientôt, gardez la pêche, soyez cool, profitez des vacances si vous partez en vacances, et restez tranquille quoi, profitez de la vie, et je vous dis à bientôt, salut, 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 salut.